Alors voilà un premier morceau qui s'appelait Gekkyojin et qui a été composé par Jean-Marie Frédéric à la guitare. Bonjour à toutes et tous. À la batterie, nous avons Eric Breteau et moi-même au violon, Frédéric Tarry. Nous allons commencer par juste vous présenter quelques instants les instruments qu'on a, que vous connaissez probablement tous, mais qui là sont utilisés parfois de manière un peu particulière. Donc on va demander dans un premier temps à Eric de nous en dire plus sur la batterie. C'est un instrument à percussion donc, qui réunit plusieurs instruments ensemble. Au départ, en fait, il y avait divers musiciens qui jouaient l'un de la grosse caisse, l'autre de la caisse claire, d'autres des cymbales, qu'on appelait des cymbaliers notamment. Et puis on en a fait un seul instrument. Voilà, et c'est un instrument sur lequel on utilise des baguettes ou des balais ou des maillotches. Voilà, et ensuite on a cette grosse caisse qui est actionnée par une pédale avec un mécanisme de ressort. Voilà, qu'on joue avec le pied. Et puis à gauche, une pédale qui s'appelle le pédale Charleston. Et qui remplace vraiment ce que faisait le cymbalier dans les orchestres à une époque. Vous savez, il réunissait deux cymbales comme ça en frappant. Et là, en fait, et ben, c'est avec le pied qu'on le fait. Voilà. Et donc cet instrument, c'est un instrument de percussion. Et ben, en fait, le batteur, souvent, c'est celui qui tient, qui joue le rythme, voilà, de la musique à venir ou à faire, voilà, avec ben, plein de couleurs possibles. Donc aussi bien sur les tomes. Que sur les cymbales. Voilà en gros le rôle du. Enfin l'instrument du batteur qui s'appelle la batterie. Voilà, et qui participe au rythme dans la musique. Ok, donc on en apprendra plus dans quelques instants quand on jouera ensemble et quand vous entendrez comment la batterie de manière générale peut intervenir dans une musique de pas mal de façons différentes finalement, en rythme, en couleur, toutes sortes de choses. Et en parlant de couleurs, donc ici j'ai un instrument que vous connaissez tous aussi qui est le violon simplement. Il est ici, vous voyez un câble qui en part et il est électrifié. Donc si je ne joue pas avec ce câble là, c'est-à-dire en violon acoustique, on n'entendra pas grand-chose probablement. Et donc pour me permettre d'avoir un son avec plus de volume, qui soit au même niveau qu'un instrument comme la batterie, qui peut jouer de manière volumineuse, avec une amplitude sonore importante, je branche l'instrument sur un amplificateur qui est derrière moi et ça peut avoir un son qui se rapproche mais qui n'est pas celui d'un violon acoustique, qui est celui d'un violon électrique. Pour jouer le violon, il y a cet autre instrument qu'on appelle un archet et aussi bien le violon que l'archet fait partie de la famille des arcophones, c'est-à-dire qu'à la base, c'était des arcs de chasse il y a très très longtemps. Et ces arcs de chasse, on a eu l'idée à un moment donné de faire sonner la corde. On s'est aperçu qu'elle produisait un son et ça a donné tous les instruments à cordes, par exemple les violons. Alors d'un côté, donc, j'ai un arcophone avec donc, des cordes qui sont tendues, chacune avec un son. Et d'un autre côté, pour frotter ces cordes, j'ai un autre arcophone qui est un archet, que je détends ici pour montrer comment c'est un archet. C'est une baguette de bois avec tendu des crins de cheval, c'est-à-dire qui sont prélevés comme des cheveux sur la queue des chevaux et qu'on tend sur une baguette. Et on pourrait donc jouer le violon en pinçant les cordes. On produirait des sons, ce qu'on appelle des pizzicati, comme par exemple ça. Mais on entend que les sons sont courts. Et donc, on a inventé cet autre objet pour frotter les cordes et permettre des sons vraiment longs.
voilà, le violon a été fait pour se rapprocher de la voix humaine. Et du coup, l'archet permet de moduler les choses de cette manière-là pour se rapprocher le plus possible de la voix humaine. Pour finir, juste, comme mon violon est électrique, non seulement je peux avoir un niveau sonore plus important que si je ne le branchais pas, s'il était donc acoustique, mais en plus j'ai ce qu'on appelle des effets sonores, c'est-à-dire que je peux rajouter des espèces de textures particulières au son. Donc le son électrifié de base, c'est ça. Si je rajoute un peu de grave dans le son, comme si j'avais un violoncelle qui jouait avec moi, ça peut donner ça. Mais on peut aussi demander au son, aux effets que j'ai là, donc je les manipule avec un pédalier qui est posé au sol, on peut demander au son de se prolonger sous forme d'écho, on appelle ça un délai. Donc on entend les ronds dan, 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 du délai de l'écho. Ou on peut, je vous en montre un dernier par exemple, on peut avoir des sons un peu particuliers comme ça. Et ça donc c'est un effet wah wah. Le nom de l'effet s'entend assez au niveau du son wah 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 wah. Voilà, avec cette variété de choses, on crée des univers sonores. Et le violon est un instrument qu'on dit mélodique. Donc souvent, il est employé pour jouer la mélodie de chansons, par exemple, typiquement. Voilà. Mais on a un autre instrument de la famille des arcophones aussi, qui lui a beaucoup plus de cordes. Moi, j'en ai quatre, et là, on en a plus sur la guitare. Alors, donc, la guitare... Et plus précisément, la guitare électrique. Bon, je crois que c'est peut-être pas la peine de vous présenter la guitare électrique. Hein. Je crois que c'est un des instruments les plus connus, les plus célèbres, les plus joués. Ce qui est intéressant, c'est que la guitare électrique, qui vient en fait de la guitare acoustique, vous avez sans doute vu une guitare acoustique à cordes de nylon, à cordes d'acier. La guitare électrique, par rapport à la batterie jouée par Eric et au violon joué par Fred, est un instrument qui est beaucoup plus jeune. C'est un peu le bébé là, de la trilogie. Quoi. Les percussions, c'est vraiment un instrument millénaire maintenant. Hein. C'est le premier des instruments de la percussion. Le violon est vraiment un instrument maintenant qui a une longue histoire derrière lui. La guitare électrique, elle n'a même pas 100 ans. Elle est toute récente. En fait, c'est Jimi Hendrix, un guitariste célèbre, hein, fantastique, qui a commencé à utiliser les possibilités de la guitare électrique. Alors, pourquoi électrique ? Tout comme pour Fred, pour le violon, ça a été une histoire de pouvoir se mettre à un volume sonore à hauteur de certains autres instruments. C'est pour ça que l'électricité a été inventée. Mais très vite, on s'est rendu compte en fait que cet instrument permettait de nouvelles sources d'expression par rapport à un instrument acoustique. Alors tout à l'heure, Fred vous a joué le violon acoustique. Vous avez vu, le violon acoustique sonne, même s'il n'est pas amplifié. La guitare électrique, si je la joue, alors là, vous n'allez rien entendre. J'ai beau m'évertuer à jouer fort. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc c'est vraiment un instrument qui, par l'intermédiaire de ses micros, nécessite une amplification. Et donc, une fois qu'elle est amplifiée, on va pouvoir... C'est assez incroyable de partir d'un instrument qui n'a pas de son, parce qu'on peut presque dire ça pour la guitare électrique. C'est très différent du violon, qui est un véritable instrument, ou de la batterie, qui sont de véritables instruments acoustiques, pensés pour être joués tout de suite comme ça, et la guitare, qui vraiment nécessite une amplification et l'électricité. Mais donc, on arrive à utiliser cet instrument pour avoir des sons très différents. Alors regardez, je peux avoir ça, c'est le son, on va dire, normal de l'instrument. Si vous écoutez bien, vous entendez aussi que j'utilise ce que Fred, pour le violon, vous a présenté tout à l'heure, ce qu'on appelle le delay. C'est un petit rebond successif après la note. Regardez, si j'enlève, j'ai deux effets là dans le son que j'utilise, c'est la reverb et le delay. Je vais juste les enlever, ces deux effets qui me permettent de donner du sustain, de l'ampleur au son de la guitare, qui au départ n'en a pas quand même. Regardez, j'enlève juste ces deux effets. Écoutez la différence. Waouh ! Ça n'a rien à voir, quoi.
Donc c'est en ça que la guitare électrique, par son électricité, devient intéressante. C'est qu'on peut, par l'électricité, sculpter, modifier le son de la guitare. Je remets mes effets, là, ma reverb et mon delay. Réécoutez. C'est comme si je passais d'une voix qui, pop, pop, qui s'arrête tout de suite à une voix qui a du sustain. Je vous fais écouter un autre effet possible. Je peux changer. Alors, je peux avoir des effets de reverb encore plus longs. La reverb, c'est ce qui permet de donner de la longueur au son. Écoutez. Ça, c'est assez intéressant de pouvoir faire ce genre de choses. Je peux aussi changer la hauteur de l'instrument. Vous voyez, là, je commence à empiler différents effets, quoi. Alors après, vous avez les effets les plus célèbres. Je vais le faire sans que ce soit trop fort. C'est les effets pour avoir des sons rock. Vous voyez, si je repars de mon son normal, je repasse à l'effet qui me permet d'avoir un son rock ou métal ou plein de styles que vous connaissez. Voilà, donc quand on est guitariste, on est passionné par le fait de sculpter le son et de trouver des sons qui nous plaisent. Mais vous avez vu, c'est la même trajectoire pour, c'est ça qui est intéressant, un instrument qui est tout récent comme celui-ci, la trajectoire est la même pour un instrument aussi ancien que le violon dont joue Fred, mais qui va aussi dans des recherches de sons aussi électriques. Parce qu'en fait, quand on est tous les trois musiciens passionnés de musique, on adore le son. Ça, c'est une chose qui nous passionne. Et puis, on va vous parler aussi de rythme, de mélodie. On va vous parler de nos fonctions à chacun au sein d'un groupe. Hein, on va, les amis, on va commencer à introduire. Vous voulez qu'on parle d'abord de rythme ou de... Peut-être on peut dire ce qu'on partage, parce que tu ouais. évoquais, Jean-Marie, que le son, c'était notre goût commun, la recherche sonore. Eric pourrait le dire aussi pour la batterie. Une batterie, ça s'accorde. Donc chaque élément, les tomes, les tambours ont un son, une note, une résonance. C'est très subtil aussi. Et donc chacun de nous a pour son instrument à lui cette recherche-là. Mais quand on est en groupe, on essaye de trouver une patte sonore commune. Donc une des premières choses qui nous anime, c'est mettre en commun ce son pour voir comment ça peut résonner ensemble. Donc là, on a une notion d'harmonie. Comment on peut s'harmoniser finalement tous les trois. Oui. Et donc ça, c'est notre goût, effectivement. Il y a aussi une dimension qu'on peut noter, qui est celle de la mélodie. C'est ce qu'on a en commun. On pourrait parler de chansons, par exemple. Donc là, on peut donner l'exemple sur un morceau dont on pourra jouer une version originale, un morceau qui s'appelle God Bless the Child. Mais ce qu'on a aussi en commun, c'est la dimension de l'improvisation. Donc inventer des mélodies, des façons de jouer, des rythmes au fur et à mesure qu'on joue, oui. sans savoir où on va exactement. Oui, et ça, c'est quelque chose qui peut être fait sur des trames, des thématiques, des morceaux, des chansons précises, mais ça peut aussi surgir de nulle part, ces improvisations. C'est-à-dire que juste par le jeu de nos sonorités, on peut déjà s'amuser à faire des petites pièces musicales improvisées. Vous voulez qu'on a... Oui, bah, hein oui, si tu le proposes, du coup... En fait, on vous parle de ça parce qu'en fait, c'est un véritable on joue, en fait, hein, c'est un jeu. C'est un jeu, et c'est un véritable jeu pour nous de mélanger nos textures pour créer des improvisations. Et à partir de là, on pourra aller sur des morceaux connus, mais on va s'amuser à vous faire ça. On va essayer de vous faire goûter ce moment où on commence à mélanger nos sonorités pour s'amuser avec la musique, parce que c'est un jeu, la musique. Thank you.
Donc, un morceau vraiment complètement improvisé, rien n'a été répété. L'un de nous a commencé, les autres entendent, ils suivent. Comment on fait ? On a une habitude, déjà, de s'écouter. La première chose, c'est écouter. Et ensuite, ressentir la façon dont les autres jouent. Et la première chose sur laquelle on s'articule, c'est le rythme, le temps. Le temps, là, en fait, est tempo, c'est-à-dire qu'il y a un temps régulier, comme ça, qu'on perçoit. L'un de nous, à un moment donné, l'envoie, ça ce n'est pas décidé. Les autres l'écoutent. Et puis, il y a des notes de base dont on entend la couleur, la hauteur, et on va jouer avec, s'ajuster au fur et à mesure, avec des gammes, toutes sortes de choses. Voilà. Donc ça demande une habitude de travail de nos instruments respectifs, une habitude d'improviser, de jouer sur des morceaux qui sont déjà fabriqués, et puis aussi de jouer ensemble. L'habitude qu'on a de jouer ensemble au fur et à mesure fait qu'on peut inventer au fur et à mesure. Et pour vous montrer comment on est amené à des moments à travailler la musique, on pourrait partir d'une matière qui existe déjà, d'un morceau qui existe déjà, qui est une chanson à la base. Et juste pour dire un mot, on évoquait le fait qu'on avait tous les trois le goût de la mélodie, que c'était une chose un peu centrale pour nous. Et donc dans le morceau qui vient, qui est un morceau d'origine américaine, qui s'appelle God Bless the Child, donc on pourra dire que le style de ce morceau, c'est du jazz. Et plus particulièrement, comme c'est un morceau lent, c'est ce qu'on appelle une ballade de jazz. Donc on va vous jouer une première version de ce morceau dans son style d'origine, ballade jazz. Je voudrais indiquer, pour qu'on puisse repérer les deux parties de ce morceau. Donc il y a une première mélodie que je chante rapidement, ce ne sera pas joué sur ce tempo-là, ce sera beaucoup plus lent, ça fait... La 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 la. Voilà, ça c'est la première mélodie, on pourrait appeler ça le refrain. Et on a une autre partie qui fait la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ça, c'est la deuxième partie. Et on pourrait appeler ça le couplet. Et habituellement, dans les chansons telles qu'on les entend le plus souvent, il y a des couplets, des refrains, ça alterne. On a un refrain sur lequel on a écrit des paroles qui reviennent, la plupart du temps ce sont les mêmes. Et puis on a un couplet qui va dérouler une sorte d'histoire. À chaque fois, il va y avoir un texte différent. Et là, dans la forme de ce morceau, qui est issu de ce qu'on appelle les standards américains, donc des morceaux qui sont très connus, qui viennent de la tradition de Broadway, par exemple, donc du musical américain, avec des influences américaines, noires américaines, du blues, etc., mais aussi de la mélodie européenne. On a une forme qui est particulière, des sortes de chansons, mais dont la structure, la façon d'agencer les différentes parties du morceau, c'est pas couplet-refrain s'enchaînant comme ça, mais c'est, on va jouer le refrain une première fois, et pour bien l'entendre, on va le rejouer une deuxième fois. Et puis ensuite, on va aller ailleurs. Donc on appelle ça le pont la plupart du temps. On part ailleurs pour mieux revenir et jouer un troisième et dernier refrain. Donc on passe par un couplet, voilà, on part ailleurs. Et quand on revient une nouvelle fois en jouant le refrain final, on le met d'autant plus en valeur. Donc on va vous jouer ce morceau-là, God Bless the Child, avec cette structure. Et nous, on a une façon de l'indiquer, cette structure, c'est A, A, B, A. A, c'est la première partie, B, c'est la deuxième partie. Refrain, couplet. Voilà, donc un petit morceau tout doux, balade, comme une berceuse finalement. Et peut-être, Jean-Marie, tu
peux dire un mot sur un peu ce qu'on peut en faire de ça aussi. En fait, on part de ce. On aurait pu choisir d'autres morceaux dans d'autres styles. D'ailleurs, on va s'amuser à lui donner une autre forme, une autre physionomie à ce morceau. Mais avant de vous proposer de le jouer dans d'autres styles, et notamment énormément par l'intermédiaire de changer les rythmes du morceau, juste vous reparler d'une chose, c'est que on s'est amusé à placer la mélodie, comme vous l'a dit Fred tout à l'heure au violon. Vous avez vu que Fred l'a joué une première fois. J'ai repris la mélodie après lui. On s'amusait à se passer la mélodie l'un à l'autre. Et donc, juste pour vous parler des fonctions instrumentales, très souvent, après les fonctions peuvent bouger, hein, ça peut passer d'une fonction à l'autre, mais très souvent, on va dire que le violon serait le chanteur de notre trio. C'est lui qui joue la mélodie, qui la chante. Eric, c'est donc celui qui est c'est le gardien du rythme, du tempo. Et moi, je suis entre les deux, avec les accords, c'est-à-dire que je joue ce qu'on appelle les accords, c'est quand on joue plusieurs sons en même temps. Il faut mettre le volume, sinon. Avec mes accords, en fait, je suis le lien entre le chanteur et le gardien du rythme. Ça, c'est les fonctions premières, les fonctions principales d'un groupe. On vous fera voir après qu'on peut les changer, on peut permuter. Eric peut devenir le chanteur du groupe. Il peut être mélodiste, Eric, sur sa batterie. Fred peut m'accompagner, c'est-à-dire qu'il peut jouer des accords, faire quelque chose, ou moi, je deviens le chanteur. Donc ça, c'est intéressant. Et ceci étant dit, on va continuer. Eric, si tu veux, sur le 1, hein, sur ce morceau, et proposer de le jouer de manière différente. En fait, dans quel style on partirait là maintenant sur ce morceau ? On peut essayer un truc un petit peu latin ou... Ouais. C'est le même morceau qu'on va jouer différemment. Hein. Sur ce style qu'on vient de jouer finalement, parce qu'avant la façon dont on l'a interprété en premier lieu, on peut dire que c'est une balade de jazz, et là il y avait un côté un peu latin, un côté un peu qu'on trouve aussi dans la musique des îles. En fait, les rythmes, comme la musique en général, avec les hommes, ça se sont déplacés sur toute la planète. On peut retrouver sur le continent américain des rythmes qui viennent d'Afrique ou notamment d'Europe,
comme ça, les cultures se mélangent. Et donc, éventuellement, les rythmes vont aussi se mélanger et participer à quelque chose qui nous touche tous. Et la musique, en fait, quelle que soit la langue, elle nous partage tous, quoi. C'est ça qui est entre nous, en fait. Au départ, il y a, à mon sens, au départ, il y a le rythme et le chant. Depuis le plus profond des âges de l'homme, l'homme est un grand H, il y a le rythme et le chant. Les gens ont communiqué avec le chant et avec le rythme. Et on peut le retrouver également par exemple, dans les travaux des chants. On entend les gens qui chantent pendant qu'ils travaillent. C'est accompagné par des rythmes. Et toutes ces cultures, en fait, à un moment donné, elles se mélangent. Donc là, on a pris un exemple qui était, voilà, musique un peu latine, mais finalement, en Afrique, on retrouve des choses très similaires au rythme que j'ai joué, quoi. Et finalement, la mélodie, on a pris tout à l'heure, ça devient juste un prétexte pour des gens comme nous à improviser et à aller rencontrer ces différentes cultures. Voilà. On se sert d'une mélodie, d'un chant, comme Pado de Ledo. Et puis on va l'aborder façon Europe de l'Est, façon Afrique, façon rythme des îles, façon balade, façon multitude de choses. Et c'est ça qui est intéressant et qui nous donne, à nous musiciens, improvisateurs, parce qu'on aime l'improvisation, qui nous donne un langage commun, quoi. Voilà. Tout à l'heure on parlait notamment de répertoire. Bon, on partage, nous, un répertoire qui est un répertoire de chansons. Alors, dans le jazz, on appelle ça les standards. Mais il y a un répertoire en France de chansons françaises qui est absolument sublime et qui donne des mélodies qu'on a envie de jouer. On ne va pas forcément chanter les paroles. Et ensuite, on va improviser sur la grille qui compose ces chansons, quoi. Voilà. Et pour en revenir à ce que disaient tout à l'heure mes collègues, effectivement, chacun de nous, même si moi, par exemple, entre guillemets, je suis chargé du rythme, en fait, chacun de nous doit avoir aussi bien la connaissance et le discours du rythme, de la mélodie et de l'harmonie. On a des rôles, effectivement, un peu plus distincts, mais... aussi, autant, par exemple, quand je vais prendre le rythme, on va avoir la mélodie jouée par Frédéric et puis l'harmonie jouée par Jean-Marie. Autant, finalement, nous trois, on est en charge du rythme, de la mélodie et de l'harmonie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous réunit aussi, quoi. Voilà. Donc, du coup, après, ben là, vous voyez, j'ai pris un rythme comme ça. Je pourrais prendre n'importe quel autre rythme. On partira sur la même chanson, ça sera notre discours commun du moment. Et en fait, les deux, ils vont improviser dessus. Voilà. On peut dire juste un petit mot sur cette façon qui est peut-être un peu mystérieuse quand on ne la pratique pas, la façon dont on improvise. Et puisqu'on parlait de la mélodie, on pourrait dire qu'une première façon d'improviser, ce serait de transformer la mélodie d'origine. Si je rechante la chanson, en mettant le temps. Da 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 da. Alors là, je m'arrête là juste pour ce refrain et je vais le faire sur le même temps d'une autre façon. 1, 2, 3. Da da ta 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 da. Donc vous voyez, la première chose que je fais assez peu de choses. Je commence par déplacer des notes dans le temps. Je les chante avant, je les chante après. Et je vais commencer à rajouter des petites notes. Donc on appelle ça broder sur une mélodie. Et en fait, petit à petit, on peut... s'affranchir de la mélodie d'origine jusqu'à inventer complètement une mélodie. Donc on pourra dire que, historiquement, dans l'histoire de l'humanité, de la musique, la façon dont elle s'est développée, l'improvisation naît
d'une invention qu'on fait autour de quelque chose qui existe déjà. Et puis voilà, comme tout à l'heure, avec l'habitude qu'on a, on a semblé improviser à partir de rien. C'est parce que c'est pas à partir de rien. On a joué depuis des années des milliers de mélodies. Et donc ce sur quoi on s'élance à un moment donné, c'est des petits bouts de ce qu'on a déjà, qui existent. Et à partir de ça, on invente au fur et à mesure. Voilà, on se laisse surprendre finalement. On s'amuse et on se laisse surprendre. Voilà. La notion, il y a tellement de choses quand on a la chance d'aller dans cette passion, de vivre avec cette passion. Je rebondis juste un peu, je ne peux pas m'en empêcher, sur ce qu'a dit Eric et ce qu'a évoqué Fred aussi. C'est-à-dire que la musique nous permet de contacter d'autres cultures, et toutes les cultures en fait. Juste, moi, quand j'étais très jeune, lorsqu'on me parlait, je ne sais pas quel âge je devais avoir avant que je fasse de la musique, on me parlait de l'Afrique, de l'Inde. C'était quasi pas existant pour moi, tellement lointain, tellement... Et puis, par la musique, on va pouvoir rencontrer d'autres cultures, écouter d'autres musiques, mais ça va déborder de la musique. On va se rendre compte que les gens vivent d'une façon vraiment différente et extraordinaire, qui va nous amener plein de choses, la nourriture, le... Et donc, c'est bien d'utiliser cette musique pour aller contacter tout ça. La télévision ne vous amène pas à tout ça. Il faut aller le chercher, il faut rencontrer des gens qui font cette trajectoire-là. Vous allez voir, c'est passionnant et vous allez apprendre énormément de choses. C'est ça qui nous nourrit aussi. Hein. C'est cette chose-là, en fait, de rencontrer. C'est les autres qui nous nourrissent. Tout seul, on a vite fait le... Enfin, c'est pas suffisant, il faut aller rencontrer les autres. Et donc, ça, voilà, c'était ma petite aparté. Et tout à l'heure, donc, Fred, ce qu'on a fait, j'ai trouvé ça super. T'as chanté la mélodie. Et Eric et moi, on a juste fait le rythme d'accompagnement. Je peux vous assurer que ça, c'est quelque chose d'absolument... essentiel. Alors moi, j'ai 50 ballets, mais je m'amuse. Si je le fais, je me régale à le faire encore comme quand j'avais 16 ans. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Pour reprendre cet exemple, on va rester sur le premier exemple de Frédéric. Jean-Marie, par exemple, peut nous battre le temps. Et Frédéric, vous allez voir comment il peut chanter différemment la mélodie. Et après, en fait... Autant lui, il va s'amuser, on peut s'amuser à changer la mélodie rythmiquement, à se promener à l'intérieur de ça. Autant on peut aussi, on va s'amuser à changer les rythmes à l'intérieur. Par exemple, si on fait, voilà, et qu'il fait, il change le thème. Moi, j'ai fait ça. Je pourrais faire ça aussi. Voilà, c'est pour faire voir qu'en fait la mélodie peut changer, mais le rythme, et nous on va essayer de s'amuser avec tout ça. Et effectivement, plus la culture qu'on va aller choper un coup en Inde, un coup en Espagne, un coup en Europe, voilà, c'est pas la peine d'aller au bout du monde. À la porte de chez vous, il y a une multitude de musique, oui, et de choses, tout à côté. Voilà, mais et on va s'amuser avec tout ça, en fait. C'est un prétexte. En fait, la musique, à mon sens, c'est quelque chose qui... C'est un voyage, voilà. Je pense que c'est un voyage. C'est une ouverture, oui. Voilà, un voyage qu'on fait personnellement et qu'on fait avec le reste des êtres humains, quoi. Voilà. Donc, prenez-le comme ça. C'est un voyage, finalement, c'est quoi? C'est un beau moment, voilà. En général, ça reste toujours un beau moment, quoi. Yes. Et je vous propose autre chose, si vous êtes d'accord. On a vu la mélodie. Fred a chanté la mélodie. On a fait le rythme d'accompagnement, qu'on peut appeler la pulsation. La pulsation, c'est déjà un rythme. C'est pas juste battre du pied. Hein. Il y a tout là-dedans, déjà. Hein. Si on attrape ça, ça change notre vie. Hein. Ça a changé la nôtre. Hein. Les rythmes peuvent être changés, que ce soit dans la mélodie ou dans le rythme d'accompagnement. Et après, il y a la fonction de jouer des accords, des harmonies. On peut juste la mettre un petit peu en relief, cette fonction. Vous voulez bien me refaire, voilà. Faites-moi juste le... Et moi, en fait, je vais juste vous jouer les accords que je joue pendant que le rythme principal et la mélodie, les deux éléments les plus importants, sont en route. Moi, je vais faire le lien entre ces deux avec mes accords. Et écoutez ce que ça va donner. Mmh.
Un peu d'impro. Et on retrouve la mélodie. C'est inventé au fur et à mesure. Proposition d'Éric de changer des rythmes, de Jean-Marie. La mélodie, de temps en temps, elle est jouée telle qu'elle, au départ, droite, comme on pourrait dire. Puis à des moments, elle est improvisée et on mélange tout ça en permanence. Donc peut-être ce qu'on peut faire, c'est vous jouer pour finir un dernier morceau en vous disant que ça, c'est la façon dont on interprète. Alors d'abord, on improvise et la façon dont on interprète des musiques qui existent déjà. Donc on a pris cet exemple de ce morceau God Bless the Child, donc dans les standards américains, ballade de jazz. Et là, aussi bien Jean-Marie, Eric que moi-même sommes aussi compositeurs. Et la musique de notre groupe, qui s'appelle The Fabulous Barnum Trio, est une musique de compositeurs. Elle est en grande partie originale. Et donc pour finir, on va jouer un morceau d'Eric qui s'appelle Sans titre. Une fois n'est pas coutume. Et un mot sur le style dans lequel on peut le jouer, peut-être. Là, on va l'aborder un peu pop-rock. Voilà, tempo médium. Hein, pop-rock, hein, ouais. Ok. Quel tempo tu... Ouais. Vous me permettez un truc ? Oui. Vous avez vu ce qui vient de se passer là ? Moi, ça m'éclate depuis toujours. C'est pour ça que je fais de la musique. Avant de jouer, il y a une mise en musique. Et cette mise en musique, elle passe par ce qui vient de se passer là. C'est-à-dire, sur quel rythme on va jouer ? C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des sons, on se met en musique. Ça, c'est absolument génialissime. Donc, je voulais en parler. C'est ce qui s'est passé là. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc, c'est vachement important ça.
Et voilà, sans titre, un morceau d'Éric Breteau à la batterie, Jean-Marie Frédéric à la guitare. Merci. Et Frédéric Tari au violon. On espère que ce petit concert vous a plu et on attend impatiemment vos questions. À bientôt. Au revoir. Merci à vous.